Bonjour, bienvenue sur Osport. Pour la seconde année consécutive, l'île de la Réunion a eu le privilège d'accueillir les meilleurs golfeurs professionnels français. Après le golf de Bassin-Bleu l'an dernier, c'est celui de Bourbon à l'étang Salé qui a servi de lieu à la Ligue de golf pour organiser ses internationaux de France professionnels de double. On écoute le directeur d'organisation au micro d'Anaïs Waro. Monsieur Jean-Marie Waro, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois que vous organisez ces internationaux. Est-ce que c'est une belle vitrine pour vous, pour votre discipline ? Oui, c'est une très très belle vitrine. On a œuvré pendant des années, puis depuis effectivement 2 ans, la fédération nous accorde ce souhait. C'est un vrai cadeau, une vraie confiance, une marque de confiance pour qu'on accueille les internationaux de France professionnels de double et qui délivre en fait le titre de champion de France professionnel de double. Et c'est la seule épreuve de métropole qui délivre ce titre. Alors vous avez combien de joueurs en tout qui viennent de métropole ? Alors on a 40 joueurs extérieurs, donc 40 joueurs professionnels d'Europe, enfin de métropole essentiellement, des Suisses et des Belges. Et donc on a surtout la chance d'avoir un plateau très relevé compte tenu de la dotation qu'on a pu mettre en place cette année. Est-ce que c'est une reconnaissance pour vous d'organiser pour la deuxième fois ces internationaux ? En connaissance, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai, une vraie marque de confiance et ça montre que c'est un peu une récompense pour la Ligue et le travail que fait la Ligue et les clubs depuis des années. Bon, on a beaucoup de résultats au niveau des jeunes au plus haut niveau. Donc je pense que tout ça a pesé dans la balance pour qu'on puisse organiser cette épreuve. Et un petit mot sur la concurrence avec l'île Maurice ? Alors c'est une concurrence, on ne peut pas parler de concurrence parce que d'abord on n'a pas les mêmes problématiques qu'eux et on n'est surtout pas dans les mêmes enjeux. Mais néanmoins cette année on a réussi à se rapprocher d'eux et à coordonner nos épreuves de manière à ce que par exemple cette année la plupart des très bons joueurs européens sont là et ils enchaînent dimanche sur Maurice sur une deuxième épreuve. Donc ça c'est plutôt une capitalisation qu'on a réussi à mettre en place cette année, oui. Notre équipe au sport a suivi la première journée. Les joueurs ont pu découvrir le magnifique parcours de 18 trous sous un chaud soleil, ravis et motivés pour ce titre mis en jeu par la Fédération française de golf. Un des joueurs, Julien Guerrier, répond à Anaïs Waro. Julien Guerrier, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le golf depuis combien de temps ? Ça fait 18 ans maintenant. Et ça vous fait plaisir d'être là ? Ouais, c'est fantastique. C'est des tournois de fin d'année qui sont vraiment... C'est une récompense, on va dire, comme on est... Toute l'année autour du globe, on est sur des tournois, on va dire, un peu plus sérieux. Et là, ça nous permet de se relâcher pendant que il fait froid en France et qu'on est avec des amis et sur une super ambiance. Quoi. C'est la première fois ou vous étiez là aussi l'année dernière ? J'étais là l'année dernière. Je suis assez infidèle au tournoi. Organisé sur 3 journées, c'est le duo Perrier-Marty qui remporte le titre avec un total de 201 points et un moins 15. Précisons la victoire chez les amateurs du duo réunionnais Alexandre Dédou et Johan Mouniama. Vous êtes aujourd'hui donc officiel sur ces internationaux professionnels en double. Est-ce un agréable plaisir pour ces professionnels ? Bien sûr, c'est très agréable. Nous profitons d'une belle journée. Et puis c'est une chance de pouvoir voir d'aussi beaux pros professionnels qui officient là, sur le parcours qui est très beau. Vous êtes là bien sûr pour officier pour les professionnels, mais vous êtes vous-même une joueuse passionnée ? Oui, oui, oui. Et donc c'est agréable de pouvoir voir tout ça, parce qu'on aime le golf et on aime bien voir tout ça. Voilà. Nous quittons le golf de Bourbon à l'étang Salé pour vous faire découvrir une belle action organisée dans le cadre de l'UNSS afin de se souvenir de nos grands et anciens champions. Guy Leblon, l'organisateur, nous explique la philosophie de ce projet. Guy Leblon, vous êtes le principal artisan de cette journée sportive et on a fait un retour dans le temps. Avec Thierry Pincemaille de l'Office national des anciens combattants, on a essayé d'imaginer un événement qui puisse allier aussi bien la culture, le sport que l'éducation. Et je pense que cette manifestation nous ramène à la mémoire, puisqu'on est dans la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, nous ramène dans la culture de notre pays, nous ramène dans la citoyenneté, et puis nous ramène avec ces jeunes qui viennent des lycées et des collèges pour également se remémorer toute l'histoire de notre pays, du combat pour la liberté. Un cours d'histoire sur un stade olympique, c'est assez marrant. Ah, mais je crois que le sport est vecteur de beaucoup de choses, d'insertion, d'éducation, d'histoire. Monsieur le recteur, qui est absolument un historien du sport, a rappelé que la Coupe de France de football est née avec les événements de la guerre pour fédérer un peu le pays. Et beaucoup d'événements à travers le monde, d'événements sportifs, peuvent être liés au sport. Mon cher jeune Yvan Noé, te voilà parmi les anciens combattants et parmi tes copains pour faire un match de foot et revenir dans le temps longtemps. Ben, on est venu ici pour s'amuser, pouvoir jouer des matchs. C'est notre collège qui nous a inscrits pour faire ce tournoi.
Ben, on est content de représenter et de jouer ici. Vous avez été sensibilisé quand même sur l'histoire de la guerre 14-18? Oui. On nous a appris que la Coupe de France a été créée pendant la guerre et qu'ils jouaient des matchs pour faire les trêves. C'est bien. Et le ballon, voilà, montrez-nous le ballon. Et vous allez vraiment jouer avec ce ballon? Oui, c'est un ballon en cuir. Ils ont réussi à commander des vieux ballons pour qu'on puisse jouer. Et ce ne sera pas plus difficile de mettre des buts? Non, c'est pareil. Bah écoutez, on va voir ça sur les images par la suite. C'est bon. Au sport, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt.